Et bien voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je pense directement à nos amis qui nous suivent à travers www.lobelavie de Papy Guenève, qui nous suivent à travers www.cntlive.com/sans-rivales. Des salutations à vous qui nous suivent à travers les différents websites, à travers des YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Nous sommes venus toujours avec la caméra de Sans Rivales ici sur l'avenue Sayo à l'Université chrétienne Cardinal Malula, connu sous le nom de l'ISPL à l'époque. Nous sommes venus trouver le responsable, le numéro 1, le PDG ou 2G de l'université. Il est à la fois DG de l'université, à la fois aussi honorable. Il est le secrétaire général de PDC. Tous ensemble, nous allons découvrir qui il est. Pas trop de commentaires. Avec lui, on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques du moment, car vraiment, ça brûle. Ça brûle vraiment parce qu'il fait partie de l'AMOUKA. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un meeting à Sainte-Thérèse. Tous, nous allons découvrir les tenants et les aboutissants de ces meetings et l'objectif de PDC ou de l'AMOUKA. Pas trop de commentaires, page publicitaire. On se retrouve juste après. Merci. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne officielle de Sans Rival, www.cntlive.com/sans-rival. Et là, la diaspora de Jobourg. Toujours Nathan avec des informations à temps réel. Télima. Sans Rival, www.cntlive.com/sans-rival. De retour sur ce plateau, nous recevons l'honorable Jerry Biancani Tampo. Bonjour honorable. Bonjour Sans Rival. Monsieur qui pour la première fois, et vous voyez qui est Jerry Biancani. C'est très important, votre parcours. Oui, merci beaucoup. Jerry Biancani est congolais, quinois. J'ai fait mes études à Kinshasa où j'ai obtenu, en dehors des études secondaires bien sûr, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur urbaniste à l'IBTP. Et ensuite j'ai fait les études de droit où je suis licencié en droit privé judiciaire. Et au-delà de ça, j'ai suivi des formations en passation des marchés où j'en suis sorti donc expert en passation des marchés publics. Et aussi là je suis expert en gestion des projets. Ça c'est en ce qui est de la formation. En ce qui est de l'expérience, Jerry Biancani a travaillé au ministère de l'Environnement pendant plusieurs années et puis j'ai été dans un projet de la Banque mondiale, l'UCPFSEN, où j'étais le responsable de l'administration et logistique. Et puis Jerry Biancani est aujourd'hui donc administrateur gestionnaire de l'Université chrétienne Cardinal Malula. Et au-delà de tout cela, je suis aussi en politique, je suis secrétaire général du Parti démocrate chrétien, qui est un parti membre du G7 et membre de l'AMOUKA. Membre du G7 et membre de l'AMOUKA. Monsieur l'honorable, vous avez postulé deux fois, vous ne l'avez pas mentionné ici. Qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas vraiment gagner les élections? Oui, comme j'ai eu à le dire pendant la campagne cette fois-ci, en 2011 j'étais candidat. Malheureusement, ce que j'ai déploré en 2011 s'est répété en 2018. Donc, il y a eu ce que tout le monde sait, il y a eu une tricherie massive, encore plus pire en 2018, parce que, comme vous le savez, les élections ont été chaotiques, parce que les gens ont tendance à croire que les élections, c'est seulement le jour du vote. Parce que j'ai entendu les gens dire, non, il y avait du calme, il y avait du calme le jour du vote. Non, les élections c'est un processus, et ça a commencé avec des machines à voter qui n'étaient pas acceptées par la loi, qui étaient contre la loi électorale. Ça a commencé par beaucoup d'abus et malheureusement jusqu'au jour du vote, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Aujourd'hui les Congolais savent que les personnes qui ont été déclarées élues, dans la plupart des cas, n'ont pas eu de voix. Et donc nous déplorons ce qui s'est passé, nous sommes en train de suivre toutes les voies légales, donc là nous sommes à la Cour constitutionnelle, avec tous les éléments de preuve que nous avons, parce que les voix, nous en avons eu. Les enfants, les habitants de Lukunga savent combien ils ont voté
pourquoi ils ont voté et comment ils ont voté Jerry Biangani. Donc, nous restons sereins. Nous croyons que la Cour, cette fois-ci, va regarder du bon côté et proclamer les vrais élus. Monsieur Jerry Biangani, pourquoi avez-vous choisi le camp de la Mouka? Bon, je dirais que c'était le choix, le camp du peuple, je peux le dire, parce que, évidemment, j'étais du G7, donc de l'opposition déjà, mais il s'est fait qu'à un moment, il a été question que toute l'opposition se réunisse pour gagner haut la main ces élections. Et vous avez, je pense, vu ce qui s'est passé à Genève, donc toute l'opposition est allée à Genève, et nous nous sommes mis d'accord sur un nom, et nous avons créé donc cette coalition, la Mouka, avec tous les membres de l'opposition. Donc, de facto, moi qui étais membre du G7, j'étais devenu membre de la Mouka. Voilà. Eh bien, vous qui étiez membre du G7, vous savez qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que deux intérêts. Pourquoi ne pas choisir votre intérêt? Car l'eau coule de l'autre côté. Il y a Iwanga qui s'est prononcé, il y a Sesanga, il y a Claude Lubaya qui se sont prononcés. Et vous continue toujours à demeurer à côté d'un perdant. Non, mais écoutez, moi je pense que nous sommes à côté du gagnant, parce que tout le monde sait que le vrai gagnant, c'est M. Martin Fayulu Madidi. Et l'intérêt, c'est vrai, les gens ont tendance à croire que l'intérêt ne peut être que lié au bien. Moi, l'intérêt pour moi aujourd'hui, c'est le peuple. Ce combat, nous le faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous ne le faisons pas pour gagner véhicules, maisons et tout ça. Nous le faisons pour que les gens qui sont aussi autour de nous puissent mieux vivre. Vous savez, quand vous êtes bien et que votre entourage immédiat ne vit pas bien, vous êtes dans ce même problème. Donc notre combat, c'est que tout le monde, tout le Congolais puisse se retrouver. Voilà pourquoi nous nous sommes mis derrière ce peuple. Et le peuple avait fait son choix, le peuple avait démontré pour qui il voulait donner ce pouvoir pour que nous puissions aller cette fois-ci à l'émergence. Aller à l'émergence, d'où est venu le tribalisme, n'est-ce pas? Vous qui avez vraiment créé ce tribalisme. C'est vrai, j'entends les gens parler aujourd'hui du tribalisme. C'est vrai aussi que peut-être qu'il y en a eu, mais je ne vois pas le Congolais d'aujourd'hui faire le tribalisme. Je suis sûr, je suis en train de penser qu'il y a des gens qui sont en train de créer une histoire pour monter les Congolais contre d'autres Congolais. Vous êtes originaire de Bandundu, n'est-ce pas? Oui. Vous soutenez Fayulu qui est originaire de Bandundu? Mais écoutez... C'est clair. Non, écoutez, moi je suis du PDC, mon parti. Mon parti est le PDC. Je ne suis pas membre de SID. Oui. Donc, Martin Fayulu, je l'ai connu à la télévision comme tout le monde. Et Martin Fayulu... est devenu, je soutiens aujourd'hui Martin Fayulu parce que je suis dans la Mouka et Martin Fayulu a été désigné par la Mouka. Ça n'a rien à voir avec ses origines, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit du bon. Moi je suis du PDC, l'autorité morale du PDC ou le président du PDC de l'Équateur. Moi je suis son secrétaire général. Donc ça n'a rien à voir. Et moi je suis quinois. Tous les quinois que moi je connais ne sont pas tribalistes. Aujourd'hui quand on parle de tribalisme, surtout à Kinshasa, ça m'étonne. Cette histoire n'existe pas chez nous les Quinois. Moi j'ai beaucoup d'amis, ça fait 20 ans qu'on est amis, je ne sais même pas de quelle province vous, il est. Vous ne combattez pas cela. Je n'ai jamais vu les militants de l'UDPS se crier au tribalisme. Mais juste après votre meeting, vos disciples étaient en train de chanter contre les Baloubas. Tuer les Baloubas. Vous dites moi, vous dites non, rien. Vous avez suivi comme moi je pense le président Martin Fayulu dire non au tribalisme. Vous avez suivi, et je pense que je n'ai jamais vu, moi, un de nos politiciens, même M. Félix Tshisekedi qui est du cash, je ne l'ai jamais suivi commenter sur le tribalisme, ou je dirais, je n'ai jamais suivi M. Tshisekedi ou M. Fayulu. Combattre le tribalisme. Non, je n'ai jamais suivi M. Tshisekedi ou M. Fayulu, ou tout autre leader de notre politique, accepter le tribalisme. Je n'ai jamais vu. Mais la politique, souvent, ça s'est fait la nuit, hein. Bon, je n'ai jamais vu ça. Mais moi, par contre, ce que je déplore, j'ai comme l'impression que ce sont plutôt les journalistes qui veulent attiser ce feu-là en parlant du tribalisme. Non, il n'y a pas de tribalisme à Kinshasa. C'est vrai, nous sommes quinois. C'est vrai, on entend dire « Ah, Baluba, Basaliboué, Bayaka, Basaliboué ». Ça a toujours été ainsi, mais ça n'a jamais eu... Monsieur Biangani, vous avez envoyé votre disciple Daniel Safou à dire tout haut qu'ils vont chasser les Baloubas. Non. Et... Vous êtes derrière vous ça. Vous savez, non. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a que des mauvais chefs. Non, vous savez, nous sommes en politique. Chacun doit assumer ce qu'il fait. Je n'ai pas suivi Daniel Safou le dire,
je ne dirais pas, je n'ai d'ailleurs, je n'ai jamais suivi ou je n'ai jamais vu quelqu'un demander à qui que ce soit de dire quelque chose pour soutenir le tribalisme. Mais moi, j'ai dit ce qui est officiel. Je n'ai jamais vu un cadre de la Mouka soutenir le tribalisme. Je n'ai jamais vu même un cadre du Cash soutenir le tribalisme. Mais tout se passe au niveau de la population. Mais au niveau de la population, c'est ce que j'étais en train de dire ici. Surtout chez les Kinois, moi je suis Kinois. Quand on parle des Balouba, on parle des Bayaka, ça n'a jamais eu une connotation tribale. C'est plus provocateur. Vous comprenez? Nous, quand on grandissait, Longwa Mouluba, Longwa Kuna Mouyaka. Ça n'avait rien de tribal, c'était vraiment juste de la provocation. Mais aujourd'hui, les gens veulent donner une autre couleur à cette provocation qui était amicale. Moi, depuis que j'ai grandi à Kinshasa, je n'ai jamais vu quelqu'un aller taper sur l'autre parce qu'il est Mouluba ou parce qu'il est Mouyaka. J'ai jamais vu ça. Mais nous avons... On a tué les Balouba. Voilà. Ça, c'est ce que je viens d'entendre maintenant. C'est pourquoi je dis, ça, ce n'est pas le Congolais. Ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre sur la tête des Congolais. Le Congolais n'a jamais été tribaliste. Le Congolais n'a jamais été tribaliste. Le Congolais n'a jamais été tribaliste. Pendant que Kyungu avait chassé les Balouba dans les Kassai, ce n'était pas le tribalisme, ça. Non, je ne parlerai pas trop de quelque chose que je n'ai pas bien maîtrisé. Je n'ai jamais été de ce côté-là pour dire qu'il y a eu ceci ou il y a eu cela. Mais les peu de fois où je suis allé à l'est du pays, j'ai été accueilli comme un Congolais. Je n'ai jamais senti une forme de tribalisme. Et encore, même si vous voulez qu'on parle de ce qui s'est passé il y a des années, les Balouba continuent à vivre au Katanga jusqu'à ce jour et ne sont pas marginalisés. Donc, certainement qu'il y a eu un problème et puis c'était fini. On ne doit pas aujourd'hui continuer à crier partout le Congolais. Il y a tribalisme, il n'y en a pas. En fait, Biangani, nous sommes là pour le Congo, on travaille pour le Congo, le ministre travaille pour le Congo, le président de la République aussi travaille pour le Congo. Et si on vous proposait un poste ministériel pour aider un peu le Congo, Félix Tshisekedi, là, il vous tend la main. Oui, écoutez, nous sommes en politique. Moi, je ne suis pas de celui qui va dire non simplement pour faire plaisir à quelqu'un ou dire oui simplement pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai été candidat député national. Je pense que je l'ai été pour apporter quelque chose pour le pays. Donc je ne dirai pas non simplement pour faire plaisir à un camp. Mais ce que j'ai dit, c'est que nous voulons que ce pays devienne un état de droit. Oui. Alors, il faut commencer par respecter la loi. Il faut commencer par la vérité. Vous comprenez? Oui. Il faut commencer par la vérité. Il ne faut pas qu'on vienne vous faire dire, ben écoutez, puisque toi tu auras ce poste, accepte ce mensonge et tu auras le poste. Non. Si nous voulons que ce pays se redresse, c'est d'abord la vérité. On ne peut pas se réconcilier quand on ne se dit pas la vérité. Donc nous demandons d'abord qu'il y ait la vérité et le reste suivra. Vous n'avez pas répondu à ma question? Vous allez dire oui ou non? Non, je dirais oui si nous sommes dans la vérité. Je dirais non si nous sommes dans le mensonge. Et nous sommes dans la vérité ou les mensonges? Ça dépend de quel cas vous voulez parler. Là, vous driblez les gens. Hein, puis non. Au contraire, moi je suis de ceux-là qui mais ce qui est étonnant, le leader de la Mouka, qui est votre leader, ne veut pas, n'accepte pas la main tendue du président Félix Tshisekedi. Pendant que l'un de vos disciples, ou l'une, je ne sais pas, Eve Bazaïba, va postuler comme gouverneur. Oui. Vous ne voyez pas qu'elle travaille aussi avec ce régime? Non, pas nécessairement. On peut être gouverneur tout en étant à l'opposition. Ça ne veut pas dire que quand on est candidat gouverneur, automatiquement on est avec le pouvoir. Non. C'est un droit qu'a tout Congolais d'être candidat où il veut. Ça n'a rien à voir avec l'opposition ou la majorité. Mais au fait, ce que moi je suis en train de dire ici, c'est que il faut commencer par la vérité. Nous sommes battus, nous avons fait des marches ici. Pour la vérité, pour que ce pays se redresse, il faut la vérité. Donc, nous demandons qu'il y ait la vérité avant toute chose. En fait, vous avez un problème contre la CENI qui est représentée par Nanga. Vous avez un problème contre Félix Tshisekedi, le président de la République. Non, je pense que nous n'avons pas... Là, je parle vraiment en tant que Jerry Biangani. Nous n'avons pas un problème contre M. Félix Tshisekedi, qui a toujours été notre allié. Le problème, c'est la CENI qui a organisé ces élections. Mais dans votre meeting, c'est lui qui était en vedette. Non, écoutez, aujourd'hui, lorsque nous estimons avoir gagné ces élections
et que la CENI attribue à quelqu'un d'autre, ce n'est que normal qu'on parle de la personne à qui on a attribué cette victoire. Mais notre combat, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi. J'ai entendu d'ailleurs dire le camarade Francis Kalombo dernièrement, il dit que pour le président Moïse Katumbi, il n'est pas question qu'on s'attaque à Félix Tshisekedi. Et je suis totalement d'accord avec lui, parce que ce que nous recherchions, c'était l'alternance. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a alternance, même si tous les éléments ne sont pas réunis, ça je le dis aussi, je tiens à le dire, mais notre adversaire, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas notre adversaire, mais seulement nous demandons qu'il y ait la vérité avant que les choses n'aillent plus loin, parce que il faut qu'il y ait réconciliation. Or, pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord commencer par la vérité. Monsieur Biennani, juriste de formation, quelle est l'image que vous avez du Congo une fois que vous êtes au pouvoir, vous en tant que juriste? Oui, ben déjà ça dépend d'être au pouvoir à quel niveau, mais déjà je vous dis que j'étais candidat député national. Donc vous pouvez aussi aider le pouvoir en place, le pouvoir actuel, parce qu'il y a trop de bévues au niveau de la loi ici dans oui, notre pays. Oui. Je citerai les cas de nos frères qui font les business de transport, par exemple. Tous ces gens des motos, des wewa, ils ne respectent pas les codes de la route. Tout ça, c'est un désordre dans un pays. Oui, pareil. Je pense que la première des choses aujourd'hui, c'est le sérieux. Il faudra que les gens commencent à être sérieux. Du sommet à la base. Ça, c'est vraiment le mot-clé. Du sommet à la base, les gens doivent d'abord commencer à être sérieux. Mais j'étais en train de dire que j'étais candidat député national et j'attends le verdict de la Cour constitutionnelle. Une fois élu, moi en tant que candidat député, j'avais déjà quelques propositions de loi pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais. J'avais quelques propositions de loi parce que il faut savoir qu'au Congo, nous vivons certes, mais nous ne vivons pas comme on devait vivre si le pays fonctionnait normalement. Et il y a tas de problèmes qu'on doit résoudre si on veut vivre normalement. Et parmi ces problèmes-là, j'ai énuméré quelques-uns et j'ai fait des projets, des propositions. Si vous permettez, je peux parler de quelques propositions. Non, il n'y a pas de souci. La première proposition, aujourd'hui, nous avons vu le phénomène Chege, le phénomène Kuluna ou Jana, il y a que les noms qui changent, mais c'est à peu près la même chose. Et nous avons réfléchi. On s'est posé des questions et moi personnellement avec mon équipe, nous sommes descendus sur terrain. On a posé des questions à ces jeunes-là, les chefs, tout ça, pourquoi vous êtes dans la rue? La réponse qui nous revenait souvent, c'était mon papa était mort, la famille nous a chassés de la maison. C'est cette réponse qui nous est revenue très souvent. Et nous avons interrogé.